Kate Middleton et le prince William ont publié sur Instagram pour marquer la journée mondiale de la santé mentale pour encourager les gens à parler de leur santé mentale. La publication Instagram disait, prendre soin de notre santé mentale et de notre bien-être n'a jamais été aussi important. Cette croisillon World Mental Health Day, nous mettons en évidence certaines des organisations fantastiques qui apportent un soutien à ceux qui pourraient en avoir besoin, car il y a de l'aide là-bas, il a poursuivi, que ferez-vous pour prendre soin de votre santé mentale aujourd'hui? Point. Les fans de Royal ont profité des commentaires pour répondre à la question du duc et de la duchesse. Un utilisateur, Ludo & Me, a simplement dit, sortez dehors. Un autre utilisateur, Lisa Sarae, a déclaré, lire un livre inspirant qui me remonte le moral tout en sirotant un café. Alors que certains utilisateurs des Instagram ont salué les efforts de Kate et William pour sensibiliser à la question. Merci d'avoir allumé une lumière. Vous utilisez vraiment votre position et les médias sociaux au service des autres, a commenté l'utilisateur des Instagram. Gwendoline PR92, c'est incroyable, a applaudi l'utilisateur Educaea. Merci pour votre travail inlassable, a écrit Po, S. Raven, l'utilisateur Alex94928 a écrit sur le message, merci pour ce soutien important. L'utilisateur des Instagram ma22-balalalan a ajouté « Merci d'avoir mis l'importance de la santé mentale au premier plan. » En l'honneur de la journée de la santé mentale, le couple a également partagé l'un des principaux organismes de bienfaisance de Kate, le centre Anna Freud. La journée mondiale de la santé mentale a eu lieu le dimanche. 10 octobre 2021 et le couple est impliqué dans une campagne de santé mentale depuis plusieurs années, au cours de la semaine de sensibilisation à la santé mentale en mai, le couple a rejoint David Beckham et Jamie Oliver dans une émission appelant les citoyens britanniques à continuer à parler de santé mentale. Dans la vidéo de 60 secondes, le couple a livré le message Mental Health Minute, qui a été diffusé sur les stations de radio du pays. La Minute de la Santé Mentale a été créée en partenariat avec la Fondation Royale du Duc et de la Duchesse de Cambridge.